Donc avec Roland Pujot, après cette victoire arrachée dans les dernières minutes, ça a été compliqué, une équipe solide en face qui était beaucoup puissante, fraîche avec, parce qu'ils n'avaient pas joué le week-end dernier. Et vous, vous étiez en quête de rachat et c'était pas facile de s'imposer ce soir. Non, on est tombé, on s'y attendait face à une très très belle équipe de Romans, très physique, puissante, qui a tenu le ballon. Et honnêtement, on a gagné le match. Il faut féliciter les garçons parce qu'on a été la chercher. Elle a été excessivement dure, on n'a rien lâché heureusement, parce que si on avait lâché, on aurait pu prendre cher. Romain doit être très déçu parce que c'est vrai qu'ils ont tenu le ballon plus que nous et ils l'ont eu plus que nous, mais bon, à la sortie, on gagne, ça prouve que mentalement on y est, malgré les problèmes qu'il y a dans le club, les joueurs ne lâchent rien, et donc ça c'est tout à leur honneur et j'en suis très fier. Justement, les problèmes, c'est donc on les connaît, et puis il y a aussi malheureusement ce soir de la casse côté joueur. Oui, la casse, forcément, on arrive, c'est la dernière semaine de ce bloc de 4, c'était l'avant-dernier match. L'année prochaine, il y a Tarbes, le derby qui se profile. Je pense qu'on a perdu Mika Lacroix qui a l'épaule qui a sauté. Et ensuite Arthur Roulin aussi au niveau de la cheville. Donc effectivement, ça fait cher, mais bon, ça fait partie du jeu. Et il faudra faire avec, et les joueurs qui vont les remplacer. On a confiance parce qu'on a un groupe qui vit bien. Et donc malgré toute l'importance de Mika Lacroix à l'intérieur du groupe, mais il sera là à côté de nous, il nous accompagnera à Tarbes, il n'y a pas de souci. Justement, Tarbes, pour finir ce bloc, vous avez gagné ici largement, vous allez être attendu là-bas, et puis toi, un bon bigourdan, tu sais à quoi t'attendre dimanche à Trélu. Oui, effectivement, les Tarbes vont vouloir leur revanche par rapport au match aller aussi, ils étaient passés complètement à côté, et forcément c'est un derby, donc ça va décupler leur envie, bien entendu. Nous on le sait, on n'aura pas de pression particulière en allant là-bas, on va aller jouer le match, on va se préparer, on va penser surtout à récupérer, parce que, comme je dis, c'est la quatrième semaine d'un bloc difficile, d'un bloc de 4 matchs, et donc on va penser surtout à récupérer, à emmagasiner de l'énergie et tout lâcher à Tarbes, puisque de toute façon, après, il y aura une semaine de repos. Merci.